Pour la sixième fois, Juillanges et son hippodrome accueillent le raid des pèlerins. Organisée par l'association Endurance Équestre Rhône-Alpes Auvergne, cette course a réuni près de 500 cavaliers d'une dizaine de nationalités au cours d'une édition qui a décerné 7 titres de championnat de France. La météo a été fraîche pendant ces quelques jours. Ces conditions furent favorables aux performances équines. Après les épreuves internationales du jeudi et vendredi, les championnats de France du samedi et du dimanche furent portés par l'enthousiasme communicatif des jeunes cavaliers de toutes les régions de l'Hexagone. À travers les communes traversées, tous les cavaliers ont pu apprécier la qualité et la variété des pistes parfaitement adaptées à la pratique de l'endurance équestre. Les équipements regroupés dans l'hippodrome ont facilité le bon déroulement du raid. Une centaine de bénévoles et de professionnels ont œuvré ensemble pour aboutir à ce résultat. On est en phase avec la qualité de notre environnement. Moi j'utilise des mots suivants: simplicité, authenticité, sobriété et qualité. Notre environnement, c'est un atout et c'est une richesse. Et on se doit de respecter et on se doit de travailler et de fonctionner et tout simplement de vivre ensemble. En tout cas, c'est une très belle manifestation bien organisée. Moi, je vous souhaite bien évidemment de terminer la journée comme elle a commencé et surtout de revenir chaque année pour le rêve des pèlerins parce que c'est le plus beau raid de France et la plus belle région de France. Merci à vous. En Occitanie.
cette fois. Et ce mec qui va recevoir donc le trophée, la fédération de cette. Ce sixième raid se termine ce dimanche après une soirée de samedi très animée. Toujours avec la même convivialité, cette course compte accueillir en 2025 le championnat du monde des jeunes chevaux. Tous les ingrédients sont ici à Jullange pour que ce soit une réussite. Rendez-vous en 2024 pour le 7e raid des pèlerins.